Mesdames et messieurs de la presse du Nord Kivu, je vous salue. Tout de suite, je m'empresse de vous présenter les excuses parce que j'étais dans une très longue réunion avec la société civile, parce que vous savez que le gouvernement suit de près la situation dans le Nord Kivu. Il est important d'écouter les opinions de compatriotes ici sur les différents défis d'ailleurs, la situation humanitaire, la situation sécuritaire dans la ville, les différents contacts diplomatiques, et toutes les questions liées à la prise en charge de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis dans la région depuis 5 jours. J'ai été désigné par ma hiérarchie pour accompagner le président Alain Berset de la Suisse, qui est venu en République démocratique du Congo en prévision de la présidence que la Suisse va assumer en début mai du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il va focaliser l'action de la Suisse sur la protection des civils, et pour lui, il est important qu'il vienne en République démocratique du Congo prendre la température de la crise, rencontrer les populations directement touchées, mais aussi faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays. Vous avez suivi, qui était hier ici devant vous, comme il a fait à Bukavu, il a dit que la République démocratique du Congo pouvait compter sur sa voix, parce qu'il est hors de question qu'un État tiers puisse envoyer ou mener des opérations militaires dans un pays autre, et la Suisse a toujours tenu à ses valeurs de respect, d'intégrité territoriale. Mais bien au-delà, dans ma discussion avec la société civile tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de parler d'un certain nombre des défis, notamment les défis de la communication, parce qu'il se trouve qu'il y a malheureusement beaucoup de manipulations dans cette partie du pays. Nous comprenons qu'il y a évidemment la situation sécuritaire qui est préoccupante, mais il faudrait qu'avec la société civile, en accord avec le gouverneur militaire qui est ici présent, puisse travailler de commun accord pour s'assurer que sur ces fronts, nous sommes unis et sur ces fronts, nous sommes en train de travailler pour régler la crise de manière définitive. Je dois rappeler ici la stratégie principale du gouvernement. Pour nous, cette crise, nous l'abordons sur le front médiatique. La preuve, je suis devant vous. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous rendre hommage parce que les médias sont très mobilisés à nous accompagner dans le relais des discours que nous tenons. Ensuite, il y a le front diplomatique, le front militaire qui est en pause parce que vous savez que dans les cas de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda, il a été convenu d'abord qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu. Nous aurons l'occasion de revenir. Et puis, il y a le front évidemment économique, parce que vous savez que la guerre qui s'est faite à l'est de la République démocratique du Congo, cela a été démontré, c'est une guerre de pillage. Le président de la République, nous étions dans ces mêmes hôtels en juin 2021 avec le président Kagame, avait voulu qu'on fasse une collaboration de manière transparente, mais ce n'est pas le choix qui a été fait par le Rwanda. Et au-delà de cela, nous allons, dès que je rentre à Kinshasa avec mes collègues de la justice et des affaires étrangères, nous travaillons sur le front judiciaire parce que nous pensons que si la justice n'est pas faite, nous n'aurons pas de garantie de non-répétition de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Les criminels sont connus, ils sont recyclés de manière régulière par le président Kagame pour semer la mort et la désolation dans l'est de la République démocratique du Congo et pour lui permettre de garder la main sur les ressources qu'il acquiert frauduleusement. Je ferai l'économie de donner un peu plus d'importance à sa provocation d'hier. Je sais que c'est des questions qui vont revenir. D'abord, vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment, on dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et puis depuis quelque temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est des manières
exprès qu'il ait fait, parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour un petit rappel, en juin 2018, à Goma, ici, il y a une signature d'un accord des démarcations définitives de frontières. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC, Henri Movasakani, et James Kabarebe, qui était ministre de la Défense. Donc, pour nous, nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier à ouvrir sur ce sujet, si ce n'est de vouloir provoquer, une fois de plus, la République démocratique du Congo, parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les M23. Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit au plan, à la feuille de route de Nairobi, qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de s'assurer qu'il respecte ce qui est comme sa responsabilité, parce que de toute évidence, c'est lui les créateurs et les porte-parole du M23. Voilà plus ou moins ce que je peux dire en liminaire dans le cadre de cet entretien. Je souhaiterais aujourd'hui, malheureusement, on les fait assis parce que les conditions ne permettaient pas que je sois debout comme à Kinshasa, mais de toute évidence, nous reviendrons régulièrement, sûrement avec une plus forte délégation, notamment pour suivre de près les efforts qui sont faits dans la prise en charge de la question humanitaire, mais aussi avec les gouverneurs. Nous avons eu des échanges assez détaillés sur l'action qu'il met en place pour s'assurer de la sécurité dans la ville de Goma, parce que nous avons attendu beaucoup de plaintes quant à ceux. Avec la société civile, on a convenu que la société civile devrait accompagner les efforts de gouvernants pour être sûr que nous relayons à tout temps et à tout moment la bonne information. C'est celle qui permettra aux Congolais d'être édifiés. On pourra maintenant passer la parole à Touvé, je pense, pour sélectionner un certain nombre de questions. On peut avoir 30 minutes d'échange. Comme ça, on pourra apporter des détails sur un certain nombre de points. Vous prendrez les soins de vous présenter, de présenter vos médias. Je vous remercie. Merci, Excellence. Nous allons appeler Laurent Yang de la RDC. Vous passez du côté du micro. Il y a le micro. Merci, Excellence. Vous l'avez déjà évoqué. De toute évidence, il est important pour nous de ne pas donner écho à ces discours, parce qu'il tend à changer les cours du débat dans sa stratégie des manipulations habituelles. Il doit être en mesure, maintenant que nous avons démontré clairement que les FDLR, c'est un parfait faux prétexte pour envoyer ses troupes en République démocratique du Congo, maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question, d'autant plus que nous, avec les HCR, nous avons déjà commencé la collaboration. On n'a jamais dit non au retour de nos compatriotes qui sont là-bas. Et d'ailleurs, il oublie de dire qu'il y a plus des réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et donc, le président de la République a rencontré dans cet esprit le patron du HCR quand il était à Genève, pour dire justement la disponibilité de la République démocratique du Congo de faciliter les retours de ce compatriote, à une condition, c'est que nous travaillons de manière mixte avec le HCR, évidemment avec la partie rwandaise, ils ne se sont jamais présentés dans les différentes réunions, et que par la suite, avant un quelconque retour, les autorités traditionnelles et la société civile doivent participer dans l'identification de compatriotes qui veulent revenir. De toute évidence, c'est vraiment là qu'il y a une forme de dichotomie dans la démarche du président Kagame. Vous ne pouvez pas penser vouloir retourner des réfugiés chez vous qui ont fui ces exactions, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de la situation d'insécurité en l'est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie des manipulations mensongères, qui pense aujourd'hui pouvoir réorienter les débats autrement. Il ne nous trouvera pas, parce qu'il n'a qu'à se référer à la Belgique, qui pourra lui fournir des éléments. De toute évidence, le professeur Tshibangu Kalala a écrit un des livres les plus costauds sur la question de frontières. Vous allez voir, les actes sont clairs, signés par la partie rwandaise, alors que lui, il était déjà président en ce moment-là. Et donc, pour nous, nous pensons qu'il doit cesser de chercher de faux fuyants, mais qui doit lui s'assumer
par rapport à ce qu'il a signé dans le cadre de la feuille de route de Luanda, à savoir de cesser de soutenir le M23 et à retirer, comme le pape l'avait dit, ses mains de la République démocratique du Congo. Est-ce que M. le ministre va prendre Rosalie pour la réunion? Il n'y a pas de confirmation pour le moment d'un quelconque report de la réunion, mais il était prévu, et ça c'est ce que la République démocratique du Congo souhaite, que nous ayons une discussion franche, parce que vous savez que le mandat de l'affaires régionales avait expiré au 31 mars, et qu'aujourd'hui il y a un besoin pour nous avant de faire le renouvellement, parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans un processus qui est très critique. Évidemment, il ne se retire pas, mais il y a des mouvements qui sont certes timides, pas au rythme que nous voulons, mais l'idée ici, ce n'est pas d'offrir de nouveaux prétextes pour continuer à endeuiller nos populations. Vous savez que nous sommes dans une année électorale et nous tenons à la participation de tous les compatriotes à ces processus électoraux. Et donc, cette réunion-là devra discuter de l'avenir de la force régionale. Parce qu'il y a évidemment deux points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. Et vous savez que comme nous sommes dans un processus sensible, la discussion que nous avons avec l'EAC ou la force régionale, c'est aussi de nous assurer que de manière progressive, au fur et à mesure qu'ils se retirent, nous soyons en mesure de retourner d'abord les administrateurs de territoire. Vous savez que nous sommes sous état de siège et donc c'est des militaires. Et donc, la perspective première pour nous dans ces processus, c'est de les assurer qu'il y a cessé le feu. En tout cas, du 28 au 12 de ce mois, vous avez observé qu'il n'y avait presque pas de confrontation en dehors de ce que nous avons entendu les derniers jours. Donc, nous voulons donner la chance à ces processus et compter sur moi. De la même manière que je salue le travail de journalistes qui se sont déplacés à Kishishe pour démontrer la barbarie du M23, vous pouvez compter sur nous pour remettre en cause tous les actes qui sont posés. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec les sociétés civiles, il m'a été dit qu'ils prélèvent de taxes, il m'a été dit qu'ils ont fait venir de populations qui plantent ou qui font des achats, des terrains et tout le reste. Nous avons toutes ces informations dans notre banque de données et dans le moment venu, nous allons l'exploiter pour nous assurer que nous aurons sorti chacun des terroristes du M23 des territoires occupés en République démocratique du Congo. La discussion avec la force régionale, elle sera évidemment une discussion de vérité. Vous avez vu récemment qu'à Kinshasa, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise est arrivé parce qu'il y a des besoins, par exemple, pour ce qui concerne Ouganda, d'avoir une clarification sur l'attitude à tenir. Je ne voudrais pas revenir sur un certain nombre de détails, mais je crois savoir que de la discussion qu'il a eue avec nos autorités militaires, notamment le vice-premier ministre, ministre de la Défense, il y a des choses qui vont avancer. On attend de voir, parce que vous savez que depuis que ce processus a commencé, nous restons sceptiques parce que nous connaissons les acteurs. La question avec l'Ouganda, elle est juste plus bizarre, passez-moi l'expression, parce que les officiers ougandais ou les militaires ougandais meurent au front avec nos militaires pour combattre les ADF. Et donc on ne peut pas comprendre cette forme de dualité dans la position ougandaise par rapport à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Alors le message pour les compatriotes qui ont été touchés à Bouchagara, d'abord c'est un message de compassion et de solidarité. Vous savez que pour le président de la République comme pour le gouvernement, l'urgence c'est d'apporter l'appui maintenant, c'est des besoins qui sont complexes, on les évalue entre 800 000 et 1 million, repartis dans plusieurs camps. Il faut pour chaque déplacé 10 à 15 litres d'eau par jour. Donc le travail qui s'est fait notamment avec les humanitaires n'est pas suffisant. Nous pensons que la meilleure manière de régler dans la durée cette crise, c'est de nous assurer que les compatriotes retournent dans leur milieu d'origine pour continuer à vaquer dans leurs activités, dans des conditions de vie qui sont acceptables. Et donc, je pense avoir répondu à cette question. Je veux juste rajouter un petit détail. Le ministre des Affaires étrangères avait saisi le secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est pour lui notifier un certain nombre des conditions que nous voulons voir remplies dans le cadre de la prolongation du mandat de la force régionale, parce que nous pensons que si le processus de retrait est respecté, il n'y aura plus d'utilité d'avoir la force régionale au-delà d'un délai que l'on pense de 3 mois. Mais ça dépendra aussi de l'évolution sur terrain. De toute façon, le contact diplomatique continue. Ce sera au niveau du ministre des Défenses, des chefs d'état-major général, et puis plus tard, au niveau des chefs d'État. Voilà. Merci. La crise du M23
à focaliser beaucoup plus d'attention, mais nous restons très attentifs dans la situation en Ituri. J'ai eu à ces propos des échanges hier avec Kassim Dial, qui est le représentant spécial adjoint de la MONUSCO, et nous avons discuté avec les gouverneurs militaires sur la nécessité pour le Force armée de la République démocratique du Congo, le gouvernement, d'être plus impliqué dans la crise. Mais la difficulté qu'il y a justement dans la crise là-bas, c'est que c'est des Congolais qui se mettent à s'entretuer. C'est dommage parce qu'avec l'état de siège, le gouverneur Johnny Luboya nous avait fait part d'un certain nombre de progrès, et puis il y a cette recrudescence de l'insécurité. C'est une situation que nous suivons de la même manière, avec la même attention que nous suivons la situation du M23. Peut-être que les médias ne focalisent peut-être plus leur regard là-dessus. C'est bien d'avoir soulevé cette question parce que ça nous permet de dire ce que nous faisons, et nous espérons que dans le jour qui vient, il y aura un peu plus de visibilité, et surtout que le vice-ministre de la Défense est originaire de l'Ituri, l'honorable Sami Adubango, et à ce niveau-là, on essaie de suivre de près pour apporter une réponse durable. Mais déjà, comme Codeco, comme M23, ils sont exclus automatiquement du processus de Nairobi 4 qui va commencer bientôt, du fait justement de leur activisme militaire. Sur la loi sur la presse, d'ailleurs, j'ai vu Mme Zawadi ici, nous aurons des conversations, parce que demain, par exemple, je veux réunir les comités de suivi des États généraux pour voir comment on va assurer l'appropriation et la compréhension de cette loi qui est révolutionnaire. Parce que ça faisait 27 ans que le cadre de l'exercice du métier que vous exercez, que moi j'ai exercé il y a quelques années, n'était pas organisé. Qu'est-ce que nous avons voulu? Je ne vais pas rentrer dans les détails des définitions des articles n'ayant pas la loi devant moi. Nous voulions éviter au maximum l'arrestation des journalistes. Parce que moi, ministre de la Communication et Médias, je suis saturé des plaintes que je reçois parfois de mes collègues ou parfois des autorités militaires, mais moi-même aussi, à certains égards, je suis victime d'une mauvaise presse où on fait diffuser des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas corroborées, et vous savez les dégâts que les fausses nouvelles font dans notre opinion. Alors, les sujets, c'était de dire, et c'est la particularité, on verrouille l'accès aux médias. Autant on ne peut pas avoir un ordre comme il y a un ordre de médecin, un ordre comme il y a un ordre des avocats, autant on ne peut pas laisser les métiers être infiltrés par des moutons noirs. Parce que je suis désolé, la plupart des journalistes qui ont des inquiétudes avec les services, ce ne sera jamais un Christian Lusakono, ce ne sera jamais un Passion Ligodi ou Madame Zawadi. Il ne faut pas me dire qu'ils ne sont pas professionnels, mais c'est parce qu'ils sont... ils sont justement qui font le travail dans le respect de conditions qui sont prévues. Ici, on a voulu consacrer le droit de réponse comme réparation. Alors, moi, j'avais des débats, notamment au niveau du gouvernement. Vous savez que les journalistes parlaient de la dépénalisation du délit des presses et tout le reste. Mais avant, souvenez-vous, le président de la République avait parlé de la salubrité médiatique. Donc, il faut qu'on arrive à assainir d'abord les secteurs des médias où nous avons des médias qui sont identifiés. J'ai fini le processus d'identification de médias pour Kinshasa. On va essayer de venir en province pour regarder, par exemple, et c'est l'une des innovations de la loi, aujourd'hui, il y a un texte qui régit les médias en ligne et qui régit les médias associatifs ou les médias communautaires qui a tout plein dans cette partie du pays. Et donc, il faut s'assurer que si nous voulons protéger les journalistes, que nous consacrons le droit à ceux qui peuvent être lésés par leur travail d'obtenir réparation. Et donc, le processus, c'est de dire, lorsqu'un article me lèse, avant de saisir une quelconque juridiction, je dois d'abord faire un droit de réponse. Alors, cet avantage qu'on a voulu consacrer dans la loi requiert en amont des journalistes responsables qui répondent au profil. Et donc, c'est la démarche que nous avons faite. Donc, le moment venu, nous aurons des séances, des discussions avec vous dans le pays pour voir dans quelle mesure vous vous appropriez de la loi, vous la comprenez et comment vous êtes en mesure d'en parler pour être sûr que les métiers s'exercent dans la sensibilité qu'il faut, mais aussi dans les respects de la liberté des autres. Monsieur le ministre, nous allons appeler Gabriel Cachoubouche de l'Alliance Congolaise de Presse. Une question serait intéressante pour que nous ayons des temps de vous poser. Ok, je vais essayer, mais j'avais une petite question. Monsieur le ministre, vous venez de dire que la réunion aura lieu le 16, mais nous apprenons que la réunion des effets qui devait se tenir a été reportée. Est-ce que cela ne confirme pas le report au fond de la réunion des ministres de l'IAC? La petite question est aussi de savoir.
Nous parlons de l'ASM, mais il y a la population qui continue toujours à s'opposer au déploiement des efforts ici en République démocratique et du Congo, surtout au Nord Kivu. Pensez-vous que ça ne dit pas déjà l'échec de cette force? En fait, monsieur le ministre, nous devons l'apprendre il y a quelques minutes. Écoutez, sur la réunion, tout à l'heure, je vous ai dit que je n'avais pas de confirmation à mon niveau, mais il faut savoir que quoi qu'il en soit, on sera obligé de nous retrouver. Donc il ne faut pas faire de fixation sur les dates parce que la problématique est connue et l'urgence de se réunir pour discuter à propos l'est aussi. Alors, vous avez parlé de mouvement des troupes. Écoutez, dans mes discussions avec la société civile, il m'a été dit même qu'il y a des troupes rwandaises. On ne parle pas des colonnes du M23, mais des troupes qui sont venues du Rwanda, qui sont passées par Kibumba. Ça, c'est ce qui a été dit. Mais il faut regarder la convergence des discours. Parce que le président de la République l'a rappelé à l'occasion de la conférence de presse avec le président suisse. Il a été clair et sans ambiguïté qu'on va jamais négocier avec ces terroristes. Parce qu'il est hors des questions de donner la prime à la violence. Nous étions déjà, dans le cadre du processus de Nairobi, engagés dans un processus de discussion. Vous avez vu le panel du prof Tiban venir à Goma, Bunia, Bukavu, Beni, pour discuter avec ces groupes armés. On parle de la quatrième phase. C'est le seul cadre qui est prévu pour discuter les conditions des redditions de ces rebelles. Il n'y a pas d'autre cadre où le gouvernement peut se retrouver en face avec les M23. On va négocier sur quoi? Pour dire, écoutez, revenez dans l'armée. Vous avez vu, vous tous, les conséquences qu'il y a à faire cette forme de mixage ou d'intégration. Il y a une résolution parlementaire, une recommandation qui a été faite au gouvernement. Ça, ils peuvent oublier. Mais quelles que soient les gesticulations qu'on fait, c'est des gesticulations qui précèdent la disparition. Parce qu'il y a un engagement ferme, notamment au niveau du médiateur principal, des médiateurs principaux, à savoir le président angolais et le président burundais. Le président de la République était en Angola récemment. Nous pensons que dans ces cadres-là, nous trouverons la solution. Pour ce qui concerne la population, évidemment, nous comprenons la colère de notre population par rapport à cela. Mais il faut comprendre la crise dans toute sa dynamique. Vous avez par exemple la présence des ADF, qui est un mouvement terroriste d'origine ougandaise, c'est bien connu. Vous avez la question des FDLR, ou peut-être dans les Sud Kivu, la question des Red Tabara. C'est des groupes armés étrangers. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, nous devons discuter avec les pays dont ils sont originaires pour être en mesure de dire, écoutez, comment on les gère. Même si le président rwandais ne veut pas l'admettre, mais il faut qu'il gère ses FDLR, c'est ses compatriotes. Nous, on n'en veut pas du tout ici parce qu'ils sont à la base de beaucoup de violences. Et nous, on tient à ce que nos populations vivent en paix dans leur propre pays et qu'ils ne peuvent pas être déplacés. Et donc, c'est pour ça que dans les cadres de contacts qui viendront, j'ai parlé du courrier de mon collègue vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères qui a été fait au secrétariat général de l'EAC, qui dit en liminaire ce que nous pensons qui doit être rectifié parce qu'il est question pour nos populations d'être rassurées et non pas d'être inquiétés par la présence de la force régionale. Nous allons prendre la parole à Yvonne Kapina de Go FM.